Salut à toi, meuf qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo maquillage focus rouge à lèvres rouge, objectif glamour, sexy, Scarlett Johansson. Oui, c'est bien de rêver. À tout de suite. Alors, on va commencer par tracer le contour des lèvres déjà avec un crayon. Ici, c'est le crayon Givenchy, donc moi je l'aime bien celui-ci. On essaie de faire quelque chose de précis, évidemment. On va commencer par le cœur, juste ici. Et en fait, l'idée, c'est de corriger un petit peu la forme de la bouche. Donc moi, j'ai plutôt une petite bouche, assez pointue en haut. Donc on va essayer de rectifier ça. Et il va falloir aussi rééquilibrer un petit peu la bouche. Et donc là, par exemple, je vais épaissir un petit peu la lèvre supérieure pour qu'elle soit à peu près la même taille que la lèvre inférieure. Faut savoir faire des mathématiques. Alors évidemment, comme on veut un rendu plutôt glamour, Scarlett Johansson, tout ça, on va plutôt faire quelque chose d'arrondi. Globalement, c'est quand même plus joli, c'est plus doux que la bouche très pointue. Moi, je trouve que ça tendance plutôt à durcir et à vieillir, globalement. Mais bon, chacun son style, chacun son délire. Crever de faiblesse, où est mon gilet en potasse? Alors là, ce que je vais essayer de faire, c'est de continuer cette forme arrondie, de légèrement grossir, comme on disait tout à l'heure, la lèvre supérieure. Pas trop, hein, parce que si vous aussi vous avez une petite bouche et que vous essayez de beaucoup la grossir, vous fêterez 36-15, truc bizarre le soir là. Je sais pas de quoi je parle. Envoie Mérou au 36-18 et rencontre les plus belles loges de ta région. Mérou, 36-18, après. Oui bon, bah ça fait plus. Et donc aussi, le fait d'avoir fait arrondi, ici en haut, c'est trop beau, hein, comme ça, juste le contour. Le fait d'avoir fait aussi un petit peu arrondi à ce niveau-là, c'est aussi pour corriger la forme de la bouche, parce que chez moi, elle est plutôt creuse. Ça va faire un effet cuvette, c'est pas super beau non plus. J'ai un peu envie de faire pipi. Bon, pour le contour, ça me convient à peu près, c'est pas nickel, on va rattraper un petit peu après. La meuf qui cherche des excuses. Moi, je vais remplir aussi au crayon. Je trouve que ça tient mieux. Et on va appliquer évidemment le rouge à lèvres. Donc on va le mettre avec un pinceau. Alors ici c'est un rouge à lèvres MAC. Et c'est un pinceau qui normalement est pour les cernes. Mais bon, on en fait bien ce qu'on veut. Alors, voilà où on en est pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau très fin, style pinceau liner, et de l'anti-cerne. Et on va venir retaper un petit peu les contours. En plus, le fait de mettre de l'anti-cerne, enfin du clair autour, ça donne un petit peu l'impression que c'est du couleur naturel de la lèvre, alors qu'on l'a légèrement agrandie. On y est presque. Là, en fait, je vais reprendre mon petit pinceau à liner et en fait, avec du rouge à lèvres, je vais revenir passer sur les contours et retracer des parties. Bon, donc en gros, en fait, on a réussi, enfin je pense avoir réussi à faire une bouche à peu près équilibrée, que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche aussi, ça j'ai oublié de vous le dire. On essaie quand même de garder une symétrie, quoi. C'est bizarre, il va y avoir un problème. En alternant avec le rouge à lèvres, avec l'anti-cerne, en fait, on essaye de garder une ligne assez lisse et de bien venir toujours, voilà, relisser les bords, garder quelque chose de bien rond, voilà. Donc ça, c'est si vous voulez, évidemment, un joli résultat pour une occasion spéciale, une soirée, une photo, que sais-je. Donc voilà, à présent, une fois que tu as réalisé toutes ces étapes, tu es prête à arriver devant ton public.